Bonjour, je suis Chalash, j'ai 24 ans, je viens d'Ankara, Turquie, et je fais un service volontaire européen au Beach de Brest. Je voulais faire un NSE parce que je voulais faire un sabbatique après avoir fini mes études supérieures pour avoir une expérience dans un autre milieu professionnel. Puis j'avais déjà des expériences bénévoles à l'étranger, donc j'avais envie de continuer. J'ai connu le NSE grâce à une amie italienne qui a fait son propre NSE en Turquie. J'ai choisi de faire mon NSE en France parce que avoir passé quelques ans en apprenant le français, j'avais envie de pratiquer pour améliorer mon niveau de français. Et puis j'avais envie de faire une belle découverte de la culture française aussi. J'étais intéressé par ce projet parce que j'avais déjà des expériences à l'étranger en faisant des projets bénévoles qui m'ont plu et qui m'a aidé. Acquérir des compétences et je voulais faire un projet auquel je peux sensibiliser les autres gens après avoir vu les avantages ou les bénéfices que j'acquise. Pendant mon SE, ma tâche principale c'était introduire, promouvoir les différents projets internationaux parmi les jeunes brestois. Je suis allé au LUBE plusieurs fois, je suis allé aux activités préparées par la ville de Brest. Pour présenter les différents dispositifs pour influencer les jeunes pour partir à l'étranger. Je suis allé aux petites villes aussi dans la région bretonne pour aussi témoigner, pour parler de mon expérience, pour essayer de sensibiliser les autres jeunes à partir à l'étranger. Je me suis occupé aussi de différents ateliers qu'on a organisés ici au Beach, comme le Café International ou comme les ateliers de cohésion. J'ai aussi aidé les jeunes locaux en faisant l'introduction de leur CV à la lettre de motivation de français en anglais pour ceux qui veulent postuler pour en faire un SVE à l'étranger. Ensuite, je me suis occupé de préparation linguistique des jeunes brestois qui vont partir pour faire un SVE à l'étranger. J'ai aussi travaillé dans le cadre du projet Passe Europe avec les jeunes. On a travaillé sur leur niveau d'anglais. Je me suis occupé aussi de préparation et l'évaluation collective pour bien valoriser leur stage à l'étranger. Une des choses qui m'a beaucoup plu, c'était le basket ici à Brest. J'ai joué du basket dans un club brestois pendant toute la saison. J'étais un joueur licencié et j'ai beaucoup aimé ça. Et puis, j'ai fait des autres activités sportives comme le jogging ou la natation ici à Brest. J'ai aussi vu pas mal de concerts. C'est pas très évident, mais il y a beaucoup de endroits à Brest où vous pouvez voir des concerts sympas. J'ai beaucoup bougé en Bretagne. J'ai fait des belles découvertes de plusieurs villes et des villages. J'ai aussi eu l'occasion de goûter pas mal de choses bretonnes, comme le cunyamin, des crêpes, des tartes, fruits de la mer et tout ça, qui m'a plu beaucoup. Le moment le plus fort de mon SVE, c'était quand j'ai retrouvé les jeunes qui sont partis en stage dans le cadre du projet Passe Europe. Et je les retrouvais. Et ils ont vraiment beaucoup apprécié leur stage. Et j'étais tellement content de leur apporter mon aide grâce à mon expérience. J'ai fait deux séminaires de SVE, un au début et un mi-parcours, que j'ai beaucoup aimé. Et c'était l'occasion de rencontrer plein de monde de partout de l'Europe. Un moment difficile, c'était j'avais du mal à parler français au début. Un autre moment difficile, c'était quand je me suis blessé en jouant du basket, le doigt. Mais après, ça a été grâce à l'assurance maladie encadrée par le SVE. Pendant mon SVE, j'ai beaucoup amélioré mon niveau de français. Puis je me suis habitué à travailler en utilisant la langue française. Ensuite, j'ai acquis des compétences de communication, de présentation et aussi de médias. Pour moi, c'était une première expérience en travaillant dans un milieu professionnel. Ça m'a appris de pas mal de choses aussi. En conclusion, j'ai appris beaucoup de choses pendant mon SVE et j'ai fait de belles découvertes. Donc, je conseille à tout le monde de faire un SVE. Ciao.